Bonjour chers investisseurs et partenaires. Je suis Alexandre Manjola et je suis partenaire national de Sola Group en Russie. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question « Comment le partenaire doit-il travailler avec des paiements en retard dans sa structure ?» L'achat d'un nouveau pack d'investissement payable par mensualité est le résultat de votre travail. Ce type de paiement d'un pack est pratique pour le client car il peut diviser un seul montant important en plusieurs paiements mensuels plus petits. Cependant, le paiement d'un pack par mensualité a certaines caractéristiques que vous devez connaître et dont vous devez informer votre client avant de lui vendre un pack. Au stade de l'achat du pack d'investissement payable par mensualité, vous devez impérativement informer votre client du calendrier des paiements ainsi que de l'importance d'atteindre le paiement intégral du pack. Car c'est surtout le dernier paiement qui apporte le volume principal des parts et offre les conditions les plus favorables pour investir. Votre entreprise est votre structure de partenariat. Par conséquent, il est important de travailler correctement avec vos clients. Mais que faire si soudainement votre client a cessé de payer son pack? Tout d'abord, vous devez le remarquer à temps, car selon les conditions, la société vous donne du temps pour pouvoir rattraper le retard de paiement de votre pack avant de l'annuler sans possibilité de le restituer. Afin de ne pas manquer les retards de paiement de la part des clients dans votre structure, vous devez utiliser régulièrement les filtres disponibles dans votre back-office. Pour ce faire, allez dans la section pour les partenaires, puis équipe, sélectionnez les critères de filtre première ligne et il y a des paiements en retard, et ensuite appliquez ce filtre. S'il y a des retards de la part de vos clients, vous pourrez les voir. Si vous avez des clients qui ont arrêté de payer leur pack, vous devez contacter chacun d'eux et demander la raison de ce retard. Il arrive très souvent que le client a tout simplement oublié d'effectuer le paiement et c'est votre rappel qui l'aidera à conserver les conditions favorables que la société fournit pour un paiement effectué en temps important. Mais il arrive aussi que le client rencontre des difficultés de paiement et a besoin d'aide. Dans tous les cas, si vous remarquez des retards de la part des clients de votre structure, vous devez contacter chacun d'eux et en déterminer la cause. L'efficacité de votre entreprise ne dépend que de vous, de votre activité et de votre attention.